Ami très cher, s'appelle Nicolette. Oh, oh. Nous voguions vers Carthagène quand une tempête nous a jetés sur votre île. Nous demandons asile, Majesté. Ah, relevez-vous, allons, pas de manière. Soyez les bienvenus. Aidez-moi à me redresser. Vous n'arrivez pas au meilleur moment, je le crains. Nous sommes en guerre. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, une guerre terrible qui me donne bien des soucis. Ben, défendez-vous. Mon ami, Nicolette, dit que l'action est un excellent remède contre les soucis. Les remèdes, j'en prends déjà un nombre incalculable. Mais si vous êtes en guerre, que faites-vous au coucher au lieu de vous battre? Quoi? Vous n'y pensez pas? Je viens d'avoir un fils. Je suis encore très faible. Pardon? Je dis que je viens d'avoir un fils. Il ne faut pas que je me surmène. Il faut que je me repose quelques jours après cet accouchement. Ah, je n'en peux plus. Un fils. Vous vous moquez de moi? Il est splendide. Hein? Demandez à le voir. On l'a mis dans la pièce à côté. Ce sera sans doute mon dernier. Car l'enfantement me fatigue vraiment trop. Vous n'aimez pas les enfants? Espèce de fou! Levez-vous ou je vous brise la tête. De grâce, Seigneur, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes un piéfé menteur! Menteur? Comment ça, menteur? Lâche-moi! Je n'ai jamais vu un homme rester couché à la naissance de son fils! Pas plus que je n'ai vu un coq pondre et couver, ni un taureau allaiter une génisse. Si vous vous indignez pour si peu, il ne faut pas voyager. C'est bien vrai. À quoi bon endurer la faim, le scorbut, les tempêtes et le naufrage pour arriver au chevet d'un roi en couche? Mais c'est la tradition ici, personne ne s'en offense. Changez de tradition! Vous n'avez pas honte de vous déshonorer ainsi? Déshonorer? De quoi parlez-vous? Ben c'est aux femmes à faire les enfants! Où est votre femme? Ma femme? Mais à la guerre, voyons! Puisque je vous dis que nous sommes en guerre! Elle commande l'armée! Général en chef! Et quel chef? Heureusement, parce que je ne peux rien faire. Moi, je suis bien trop. J'entends quelque chose! Regardez! Les projectiles volent jusqu'ici! Thank you.
mère. Alakodom parta a sókövén ültem. Néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Approche pas de l'eau, Pétronille. J'ai peur qu'une vague t'emporte, que tu coules sans t'en apercevoir. Comment elle coulerait, c'est une bulle d'air. Elle est surtout très remontée. Remontée? Un galet plat. Fais un ricochet, Gilgamesh. La mer est basse, tu vois bien. Comment approcher s'ils arrivent à marée basse? On peut attendre la marée haute. Attendre. Moi, je vais faire le ricochet. Prépulanahez que kitud gyaholál meg, kitud gyaholál meg, s kit hogyan talál meg. Aïe, cazzo! Elle t'a fait mal? Juste une bosse, c'est rien. C'est beau une bosse. Je n'ai jamais ni bleu ni bosse, moi. Ne recommence pas, Pétronille. Une bouteille. Je suis une bouteille vide sur un rivage gris. Touche pas. Je suis une bouteille pleine. J'ai un message. C'est quoi votre message? Ne dis rien, Pétronille. Elle veut peut-être s'excuser. Ne dis rien. Il m'a trouvée. J'étais laide et cassée. Il m'a réparée, embellie, rassurée. Il m'a emmenée sur son dos. Il a marché longtemps, sans boire, sans manger. Il a peiné à me porter. Il peine encore. Il m'aime et moi je ne peux pas l'aimer. Ne pleure pas. Tu m'aimeras un jour. Il faut que je t'aime. Il faut. Je veux essayer. Partir avec toi pour essayer. À la force d'essayer, je vais m'user. Et quand je serai très usée, ce sera fini. Tais-toi. Usée comme un vieux jouet. Ah, taisez-vous. J'aime les jouets, usés ou neufs. J'ai cru les quitter, mais ils sont en moi. Là où je vais, ils m'attendent. Trop fragile, la porcelaine. Les colombines, les pierrots, on les laisse derrière soi. Ailleurs, il faut en trouver d'autres. Je suis bien placée pour le savoir, je suis un jouet. Regardez les cheveux, les sourcils, les dents. Que du toc ! Et les dessous. C'est que du faux. Les hommes me troussaient pour voir mes dessous de fausses dentelles. Et le reste, qui est aussi faux que les fausses dentelles. Ils fantasmaient. À croire que ça les excitait, ce faux semblant. Ces trucs mal goupillés ensemble, déglingués. Un ratage total. Les coups de pli à moitié. Les genoux craquent. J'ai un sein plus petit que l'autre. Tu le sais, toi, je t'ai montré dans les dunes. Et le ventre? Tu leur dis comment il est, mon ventre? T'as vu son ventre? Ne crie pas, tu vas nous faire opérer. Approchez, plus près, vous voyez ce qui ne se voit pas? Non! Je ne vois ni pores, ni plis, ni poils, ni cicatrices, ni césarienne, ni morsures, ni chair de poule. Pas de nombril. Elle voit rien, l'idiote? Mais elle a vu ça? Pas de nombril! Pas foutu de me faire un nombril, ceux qui m'ont fabriqué. Sale boutique! Même la terre a un nombril! Vous êtes un monstre! Alors attends, c'est pas le nombril, c'est la cervelle qui te manque. Écoute pas, Pétronille. Elle a perdu son bon sens. Quel bon sens? Avoir un nombril, c'est du bon sens? Regardez, le soleil a presque disparu. Comment j'aurais un nombril, moi? Comment je pourrais avoir un nombril? Je ne suis pas née. Je n'ai pas grandi. Je n'ai jamais été ni grande, ni petite, ni la fille de personne. Je suis une fausse personne. Je suis une poupée! Vous voulez savoir ce que c'est qu'une poupée? Une vraie? Donne-moi ta main. Appuie-moi sur le ventre, là, plus bas. Je vais rire. Je suis programmée pour rire quand on appuie là. Vas-y! Encore! Il touche son ventre, son nombril, il touche! Il peut bien, je ne suis pas une femme. Appuie!
Qui d'entre nous est le plus pitoyable, celui qui joue, celui qui est joué? Ça ne vous suffit pas d'avoir cassé vos jouets d'enfant? Ça ne vous suffit pas d'avoir été cassé, manipulé comme des jouets? Ça ne vous suffit pas d'être obligé de fuir votre vie parce que toute votre vie vous avez endossé le rôle du jouet, parce que vous êtes devenu jouet à la longue, même à vos propres yeux? Ce n'est donc pas assez humiliant, ce sentiment-là, de devoir fuir ce que nous sommes devenus? Depuis longtemps déjà, 30 ans, 40 ans. Je ne vais pas m'amuser à compter. C'est pas l'heure de s'amuser? C'est l'heure de dormir? Le dormir, l'éveil, l'éveil, le dormir, l'éveil, le dormir. Où en sommes-nous? À l'éveil. Comment on fait pour se réveiller, Gigi? Rappelle-moi. Encore? Le programme s'efface. Je déteste le mot programme. Un autre mot alors? Je ne sais pas, je dis n'importe quel mot. Si tu préfères, je connais d'autres mots. Ça va, ça va. C'est terrible de se réveiller, d'avoir tout oublié, d'être obligé de se souvenir, même des mots. Tu m'écoutes? Réveiller les mots étrangers. Par quel bout tu veux commencer, la tête ou les pieds? Les pieds! Réveille les pieds. Et l'autre bout, la tête. Et enchaîne le sexe, les cuisses, le nombril, le cordon ombilical, l'utérus, les ovaires, le placenta. Trop vite pour moi, Gigi! Tu disais quoi d'abord? Les pieds!